Inter 17h07, c'est un peu votre heure ça, 17h07, Charline Van Hennecker. Oh oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit complètement notre heure, Nasser Madji? Bah, c'est pas mal déjà, là. Moi, je pense que je suis à peu près à l'heure. Moi, je pense que si vous êtes d'accord que ce soit à nous, eh bien, on est d'accord aussi. Oui. Allez, on fait c'est ça. C'est un peu long, Nasser, peut-être faites plus que court. Demain, j'essaierai. Juste alors. Les titres, allez. Parce qu'après, voilà. Merci. Merci, Nasser Madji, pour ces informations. Ciao. Au revoir. Mais ça va pas, ça va très bien, justement. Ouais, on a monté un mouvement. Oui. Ah ouais, à deux. Ouais, c'est le début. On va rallier tous les auditeurs de droite. On a les gilets verts. Voilà. Et on demande ta démission. Ah bah c'est ça. Bah ouais, bah qu'ils viennent me chercher. Eh bah c'est ce qu'on fait. Ouais. On est là. On est là. Même si Charlie ne le veut pas, nous on est là. Oh, et dis donc, non, mais moi aussi je suis là, je vous signale. Gilets verts. Gilets verts. Fatigué là, non. Ouais, mais c'est quoi vos revendications alors? De quoi? Alors, bah, on revendique. Oui, plus de jolies filles sur le plateau de Par Jupiter. Ouais, et pour ça on veut un RIC, un référendum d'initiative des chroniques. Voilà, et on veut plus de frites à la cantine. Ouais, et on veut aussi un moratoire sur la hausse des brèves. Non, ça on a dit, qu'on non. Non, alors non, ça non. Ouais, non. Alors, de toute façon, les garçons, vous voyez bien qu'il n'y a plus de débouchés politiques pour vous. Charlie, démission, démission. En tout cas, vous allez pouvoir parler militantisme avec une vraie militante. Ah, on reçoit Annette Laguille aujourd'hui. Non, on reçoit l'une des porte-paroles des Gilets jaunes. Et prenez exemple. Mais c'est qui Ingrid Levavasseur. Ingrid Levavasseur, elle s'est retirée justement du mouvement. Voilà, elle a pris un petit peu de recul ces derniers temps. Et c'est pour ça qu'elle vient dans une émission posée et qu'elle ne voit plus sur CNews. Ah, bah super, on peut la recruter dans notre nouveau monde. On la recrute, Ingrid, avec nous. Ingrid, avec nous. Arrêtez ou je brûle le Fouquet. Bonjour la France Inter, vous écoutez la Start-up Émission, cet espace où la blague appelle à soutenir l'actualité qui se serait bien passé de se bouler. Le débat de ce soir nous est présenté comme décisif. Beaucoup d'électeurs français seraient encore indécis. La confrontation à la télé pourrait les aider à arrêter leur choix. Un débat télé décisif, donc faut pas exagérer quand même. C'est une question de vie ou de mort. Ah oui, alors d'accord. La cagnotte en ligne pour le pot de départ de Michel, c'est moins discret que la petite enveloppe. Alors se sent-on dès lors obligé, sous la pression du regard des autres, même quand on a un grand cœur? Eh ben mon petit Lambert, on est bien triste que vous nous quittiez. Pas si, si, tu te casses. Ah bon? Et cadeau de la part de tout le monde, et la graffeuse. Les parents qui culpabilisent parce qu'ils ne jouent pas avec leurs enfants subissent-ils une injonction de la société, celle qui nous dit qu'à 35 ans, on doit encore faire semblant de jouer à la dinette? Vous avez un truc pour les faire taire? Parce que je pars en week-end chez des gens qui ont des enfants et j'aimerais bien passer un bon week-end. Lui, c'est ce qu'il préfère chez les enfants, jouer avec eux. Hein? Et c'est pour ça qu'il n'en a pas. C'est très bien. Oui, vous m'avez fait peur un petit peu. Bonjour Charles de Vanhoenacker. Allez, je vais quand même profiler une belle équipe. À 17h20, celle qui aime la musique, mais on est incapable de vous dire si c'est réciproque, tant la musique lui impose parfois d'écouter des choses étranges. Mélanie Bauer, bonjour. Bonjour, aujourd'hui je vais parler du grand retour de Ludwig von 88. Voilà, j'étais pas loin. C'est trop bien. À 17h30, celui que beaucoup de monde rêve de débrancher. Déjà parce qu'il tourne aux 100 000 volts quand il s'agit d'allumer les Français. C'est vous, Guillaume Meurice. Bonjour à tous, je vais vous parler de Vincent Lambert aujourd'hui. Ben voilà. On va bien rigoler. Sujet cool, sur lequel les Français sont assez apaisés. La manifestation de joie de cet enculé d'avocat. Bon, alors c'est un apaisement quand même français, quoi. Et enfin, 17h40, celui qui, par son humour pas toujours évident, est appelé dans les milieux cinéphiles le troisième frère d'Ardenne. C'est vous, Thomas Croisière, bonjour. Oui, bonjour. Et moi, Festival de Cannes oblige, je vais vous parler de Palme. Oh là. Et voici celle qui va enjailler notre open space. Je vous laisse prononcer votre nom. Vous êtes... Ingrid Levavasseur. Oui. France Inter. Charline Van Hennecker, Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Ingrid Levavasseur. Merci. Je rappelle que vous êtes aide-soignante en Normandie. Vous aviez à un moment quitté un poste pour vous impliquer à fond dans le mouvement des Gilets jaunes dès le début. Vous avez été l'une des leaders, une figure posée, modérée. Car vous avez tapé dans l'œil des caméras au point que BFM TV à un moment voulait vous confier une chronique. Vous avez reçu pour ça une volée de voix vert parce que les Gilets jaunes étaient extrêmement
extrêmement défiant vis-à-vis de BFM, donc vous avez un peu morflé. Vous avez aussi morflé quand vous avez commencé à œuvrer pour que le mouvement devienne politique. Vous avez reçu des réactions très très violentes, jusqu'à des menaces physiques. Ça a été quand même très très houleux. Ingrid Levavasseur, aujourd'hui vous travaillez toujours, vous êtes aide-soignante, je l'ai dit, en Normandie. Ce mouvement, il a chamboulé votre vie ces derniers mois quand même. C'est pas évident. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Comment vous avez repris le travail? Est-ce que la vie se passe comme avant? Et quels sont vos projets? Eh bien, tout a changé en fait, à vrai dire. Ah, tout, ouais, a changé. Effectivement, j'avais quitté un poste d'auxiliaire ambulancière pour le mouvement, comme vous l'avez aussi bien dit. J'ai repris il y a quelques temps mon activité d'aide-soignante et c'est toujours la même chose, toujours sous-payée. Voilà, un rythme de dingue, rien n'a changé. J'ai aussi créé avec mes équipes deux associations, une justement pour faire de la politique et l'autre pour aider les familles monoparentales. Donc je suis très occupée, je ne passe pas que mon temps à la clinique parce que malheureusement je n'ai plus le temps. Ouais. Et puis à côté, j'ai mon activité de sapeur-pompier volontaire et j'ai surtout deux enfants que j'élève au quotidien. Mais vous êtes plusieurs dans ce corps. J'essaie de me dédoubler, mais ça ne marche pas encore. Ingrid Levavasseur, expliquez-nous, vous dites, c'est vrai que vous êtes sous-payée comme aide-soignante. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce que c'est, de combien vous êtes payée, de comment ça se passe? C'est des choses comme la parole de la société civile n'est pas toujours relayée dans les médias, on va en parler. Là, En fait, oui, c'est sous-payé, c'est important de le dire. Pour une journée, par exemple, vous commencez à 7h45 et vous finissez à 20h15, vous prenez votre pause déjeuner à 15h, vous êtes payé 97€ net pour la journée. Donc c'est quasiment autant qu'une femme de ménage ou qu'une employée de caisse. Voilà, c'est très mal payé, ça demande un investissement important, une conscience professionnelle, on a quand même des responsabilités, on s'occupe de personnes malades. Voilà. Mais c'est un métier qu'on aime, on le fait parce qu'on l'aime, pas pour gagner beaucoup d'argent, mais je trouve quand même assez déplorable, surtout quand on voit ce que les actionnaires se mettent dans les poches, ce que gagnent les chirurgiens. Par contre, nous, tout en bas de l'échelle, on trime comme des dingues, les infirmières, les ASH, les brancardiers, on est sous-payés et voilà, on prend cher. Mais bon, ça, malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas prêt de changer. Mais pourquoi vous n'avez pas fait actionnaire, alors? Parce que ça a l'air d'être vachement mieux. J'attends d'avoir un petit peu de côté et prendre quelques actions. Quand on prend la parole à connotation politique, quand on s'engage dans un mouvement et qu'on est novice, la machine médiatique, ça ressemble à une grande broyeuse. On a l'impression que vous avez vécu une période quand même extrêmement chamboulée. Vous avez quand même les épaules pour avoir traversé tout ça. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience aujourd'hui? C'est une expérience exceptionnelle. Alors peut-être qu'on considère que c'est une broyeuse, peut-être que j'ai été un petit peu écrabouillée, mais en fait, ça me rend un peu plus forte à chaque fois. Ouais. Finalement, ça a changé beaucoup de choses, mais je me sens pas écrasée ni même victime. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. Encore aujourd'hui, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, comme bon me semble, et je continuerai à le faire, d'ailleurs, que ça plaise ou non. Je continue... Moi, j'ai pris la lumière, j'ai cette chance de pouvoir dire à la France entière ce qui se passe réellement quand on est des petites gens. Je suis assez fière. Avant, j'avais honte, en fait. Je parlais pas vraiment de mon quotidien difficile. Je disais pas vraiment à quel point c'était compliqué les fins de mois, enfin, les fins de mois qui commencent le 15. Parfois, même avant. Maintenant, je le dis ouvertement, en fait, parce que c'est la réalité. Ouvrez vos yeux, et ceux qui sont en bas et qui travaillent, ça, le pire, c'est pas qu'on fait rien, parce qu'on a beaucoup entendu oui, les gilets jaunes, c'est des feignants, allez bosser. Mais ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, c'est pas tout à fait la réalité, parce que quand on s'achète une Ferrari, bah, il faut bien la construire et en fait, cette voiture, et bah, il faut l'équiper, et c'est les petites mains qui les équipent et qui gagnent très peu. Donc voilà, moi, je suis assez contente de ce que j'ai fait, de ce qu'on fait, même si je suis sortie du mouvement, j'ai toujours tendance à défendre le mouvement pour les revendications premières. Bien sûr, je cautionne pas ni la haine ni la violence, d'où qu'elles viennent, de toute façon. Mais je continue en tout cas de dire on existe. Mais voilà. Le mouvement a libéré cette parole-là aussi. C'est-à-dire que vous dites avant, j'avais un peu honte de dire combien je gagnais, comment je vivais, etc. Aujourd'hui, le mouvement, il a aidé à ça. Oui. Est-ce qu'on ose dire voilà, je suis dans la merde et voilà comment je vis? Oui, c'est ça. Mais il a aidé à prendre. C'est une prise de conscience collective. Je dis toujours que beaucoup ont pris conscience que d'autres existaient. Mais même au sein de mon équipe aujourd'hui, les deux associations, il y a des personnes de tous bords, de toutes classes politiques. J'ai un médecin, un entrepreneur. J'ai même un entrepreneur que j'ai bloqué dans les galeries marchandes. Donc vous voyez, il a rejoint les équipes de manière à faire avancer les choses parce qu'il se dit, bah oui, effectivement, moi j'ai plein d'employés. Voilà, j'ai envie de faire changer les choses. Et ça a permis la prise de conscience réelle. Et puis Macron a bien entendu tout ce qui s'est dit dans la rue.
eu, il a fait beaucoup d'efforts. Est-ce que vous êtes contente? Vous me cherchez, je pense que j'ai votre... La preuve, la vie d'Ingrid Levavasseur a changé. Mais oui, on l'a vu arriver en limousine. Plus, voilà, ça va beaucoup mieux, hein, ça on le voit bien. C'est merveilleux. Vous êtes avec nous, Ingrid Levavasseur. Vous êtes fondatrice d'associations, hein, donc Racines Positives, c'est ça, réseau d'accueil pour familles monoparentales. Oui. Et Éclosion Démocratique, association politique. On va en reparler de politique, car vous avez trouvé le goût de la politique, Ingrid Levavasseur. Ouais, non, c'est super, parce qu'on entend tellement de gens qui disent « je suis dégoûtée de la politique », vous, c'est le contraire. Oui. Ça vous a donné le goût, et c'est très encourageant. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h, wouh ! Et donc, ambiance ! Solo Duarte, Flore des Sogneaux, c'est le choix de Djoubaka. Bien sûr, vous écoutez France Inter. C'est pas le nôtre. Ouais, hein. Ouais, ouais, merci, écoutez, c'est super, oui, écoutez, je vous promets, c'est vachement bien. Allez, ambiance. Lanço-me agora nesse salto. Eu já não tenho medo do escuro. Escolho caminho confortável. Mostro o meu lado mais seguro. Às vezes sou um pouco atravessado. A minha voz urgente te dizendo que eu já não tenho tanto tempo assim. E o que sobrou do tempo pra mim? Eu penso em você. Acalmo o passo, adapto-me ao nosso andamento. Meu corpo me encontra no espaço. Procuro aproveitar esse momento. Estou no seu apartamento. Os fatos se alinham no acaso. Os astros têm lugar no firmamento. Eu penso em você. Il est 17h20 à Louviers, dans l'Eure, en Normandie. C'est du côté de chez Ingrid Levavasseur qui est notre invitée aujourd'hui. Et pour l'entourer, Alex. Eh bien, il y a Guillaume Meurice. Oui, c'est vrai. Il y a Thomas Croisière, hein, qui est venu ici alors que Cannes l'appelle régulièrement. Et il y a Mélanie Bauer. Jean-François Cannes, hein, bien sûr, rien à voir avec le festival. Parlons de l'information. Alors là, on est au taquet. S'ils veulent un responsable, qu'ils viennent le chercher. Le journal de presque 17h17. Eh bien, on commence par les titres. François Hollande regrette de ne pas s'être présenté au présidentiel de 2017. Quel manque de lucidité, le bonhomme. Clairement, c'est la seule bonne décision qu'il a prise en 5 ans. Le tribunal de Tokyo interdit à Carlos Ghosn toute communication avec sa femme. Et oui, ce qui fait que Carlos Ghosn a un point commun avec Vincent Lambert. Et les brèves. Et les brèves. Le tribunal de Tokyo n'interdit à personne d'entrer en contact avec les brèves. Je suis désolé. Commençons par une éphéméride. Oui, car aujourd'hui, c'est la journée internationale de la biodiversité. Et l'occasion de rendre hommage à la coupe de cheveux de Michel Houellebecq qui abrite plus de 150 espèces vivantes différentes. Passons aux européennes, car un nouveau sondage place le Rassemblement National devant La République En Marche pour la première fois et les Républicains sont en hausse. Eh bien, visiblement, la dernière ligne droite, elle est très très à droite.
droite. À gauche, après François Hollande, Lionel Jospin appelle à voter pour la liste Glucksmann. On attend avec impatience les consignes de vote de François Mitterrand et de Léon Blum. Justement, lors du dernier meeting de la tête de liste PS Place Publique, ouais. Martine Aubry a déclaré « Nous avons eu la chance que Raphaël Glucksmann se lève ». Et c'est ce que Léa Salamé dit tous les jours en restant au lit. Elle... Sans transition... Debout la France. Eh oui, vous voyez, reste au lit de... Oui, mais c'est comme ça, je l'ai mis dans l'ordre pour qu'on rigole beaucoup avec cette public, transition. C'est là où est la différence. Première radio de France, n'oubliez pas. Nicolas Dupont-Aignan, qui est passé sur CNews, lui, chez Jean-Pierre Elkabbach, qui était plutôt en forme. Bienvenue, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, bonjour. Jean-Pierre Elkabbach. Est-ce que vous savez que je vous admire? Oh, je ne mérite pas tant. Oui, je vous admire vraiment. Pourquoi? Parce que vous allez de à chaque élection de défaite en défaite et que les échecs ne vous effraient pas. Bam, drop de mic. Oh là là là. Dernière info cocasse pour les européennes. Oui. On a appris que Jean-Marc Schiappa, le père de Marlène Schiappa, était membre du comité de soutien de la France Insoumise. Eh oui, comme quoi les chiens peuvent faire des chats. Attention, dit des chats, ouais. Parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Marlène, bien évidemment. Oui. Hier, un homme a escaladé la tour Eiffel, il y a passé plus de 3 heures. Oui, il a été délogé peu avant 22 heures. Oui, il s'agirait d'un demandeur d'asile russe. Oui, rappelons que pour la technique Mamadou Gassama, il faut qu'il y ait un bébé qui pende, sinon ça ne sert à rien de grimper pour avoir la nationalité. Mamadou, j'ai mal dit ? Oui, ah pardon, Mamadou, autant pour moi, je l'embrasse. Santé, les Français sont plus nombreux que jamais à souffrir de troubles de l'érection. Attention, dans la même phrase, je vais mettre les deux mots que j'utilise le plus dans la vie. Allez-y. Ouais. Les Français, ils ont le seum de la teub. Bam. C'est fait. Ben voilà, c'est à 17h23, le premier les point teub. Les deux points sont fichés. Ouais. Football, justement, la semaine prochaine, la finale de la Ligue Europa entre Arsenal et Chelsea se jouera en Azerbaïdjan. Eh oui, mais le joueur d'Arsenal, Mkhitaryan, n'y participera pas. La raison, c'est qu'il est arménien et sa sécurité ne peut pas être garantie en Azerbaïdjan à cause des tensions entre les deux pays. Et oui, malheureusement pour les supporters de Chelsea, la France a des bonnes relations avec l'Azerbaïdjan. Olivier Giroud sera donc bel et bien sur le terrain. Je pense que Ingrid Levavasseur est venue que pour les brèves. Ah, les brèves, attention. Dans le Bas-Rhin, un prof a écopé de 6 mois de prison avec sursis pour avoir une liaison avec son élève. Heureusement qu'il y a prescription. Sinon, demain matin à 6h, l'Élysée aurait connu sa première perquise. Bon, la dernière. Et la dernière, Whitney Houston, bientôt un album posthume et une tournée sous forme d'hologramme. En tendant ça, Abdelaziz Bouteflika décide de se représenter à la présidentielle algérienne. Merci Alex. Mais de rien, Charline. Vous écoutez France Inter, c'est par Jupiter, en compagnie d'Ingrid Levavasseur, qui est venue nous voir de sa Normandie. Tout à fait. Et on va aborder ce premier sujet avec vous. Le scrutin européen est particulièrement serré, paraît-il. À l'heure où l'on parle, les indécis sont encore légion. Face à cette incertitude, le débat de ce soir nous est vendu comme décisif, exactement comme sur toutes les publicités pour le débat sur France 2 et France Inter. Brice Teinturier a déjà changé 3 fois de slip depuis ce matin devant toute cette incertitude, n'a jamais été aussi perdu. D'autant qu'il y a 34 listes, une soirée en 2 parties et à la fin, et ceux qui ont été baptisés les petits candidats, qui sont-ils? Par exemple, eux. Alors à notre droite, Vincent De Dienne. Monsieur De Dienne, vous appartenez au parti majoritaire Allez-Zou, parti, je le rappelle, qui a obtenu tous les sièges à l'Assemblée nationale. Oui, tous les sièges, oui, tous les sièges, même les chaises de la cantine, on peut plus s'asseoir nulle part. À notre gauche, Jérôme Commandeur. Monsieur Commandeur, on vous a connu dans le passé comme leader du mouvement Un bébé, c'est papa dans maman. C'est bien ça? C'est cela. Et aujourd'hui, vous êtes secrétaire général adjoint du parti HBFR, hétéro-blanc français. Mais pas raciste. Pas raciste, c'est important. Je rappelle à moi que vous avez été condamné pour emploi fictif en 2016 pour avoir embauché votre neveu en fauteuil roulant comme garde du corps quand vous étiez ministre de la Défense. C'est une histoire ancienne. Extrait d'une émission carte blanche à Vincent De Dienne sur TMC. Ingrid Levavasseur, est-ce que vous allez regarder le débat à la télévision ce soir ou l'écouter sur France Inter, on ne sait jamais, c'est les deux. Et est-ce que ça pourrait être de nature à influencer votre vote? Absolument pas, mon choix est fait. C'est Francis Lalanne. Je ne peux pas vous laisser dire ça, hein, d'accord? C'est secret. Je me garde le droit De changer, peut-être en dernière minute, mais pour l'instant. Mais ça veut dire que c'est pas que votre choix est fait, que c'est pas un débat qui va changer les choses. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, je sais que vous avez toujours voté, hein, c'est toujours un acte que vous avez posé. Est-ce qu'il est arrivé qu'un débat télévisé à la dernière minute vous fasse éventuellement changer
changer d'avis ou nuancer un vote ? Non, pas vraiment. Non. En fait, quand on a des convictions, normalement, on les a jusqu'au bout. Mm-hmm. Moi, c'est pas forcément les débats. En plus, les débats, ils se chicorent tous les uns les autres. C'est pas intéressant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais trop été intéressée. Je me suis un peu forcée parce que, évidemment, maintenant, je veux me lancer dans la politique, donc je suis un peu obligée, entre guillemets. Ouais. Mais bon, c'est un peu difficile à suivre. Ouais. Voilà, je peux comprendre, en tout cas, les citoyens qui n'ont pas du tout envie. Mais surtout, je le dis et je le redis, il faut voter. Jeunes gens, si vous nous entendez, mobilisez-vous. Il y a un sujet qui a toujours été central dans les débats et qui semble avoir disparu ici, c'est le chômage. Alors évidemment, c'est des élections européennes en France. Alors il y a d'autres pays, rappelons qu'il y a d'autres pays comme l'Espagne ou la Belgique où il y a d'autres scrutins en même temps, hein, législatives notamment. Mais c'est une problématique quand même qui semble avoir disparu. Mais parce qu'il n'y en a plus. Ah, c'est ça, ouais, je suis d'accord. Terminé, ah bon enfin, oui, tout le monde. Oui, tout le monde. Ça paraît étonnant. Est-ce que la question du pouvoir d'achat des gilets jaunes, de la petite classe moyenne, etc., a mis dans l'ombre, vous pensez, les questions de. Déjà, moi, quand je regarde les débats, excusez-moi, mais j'ai pas la sensation vraiment que le pouvoir d'achat soit mis en avant, malgré toute la crise que l'on traverse. Mm-hmm. J'ai pas la sensation que ce soit une priorité. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire à ce sujet-là. Et effectivement, oui, ça camoufle un petit peu les problématiques du chômage. Il y avait des réformes qui devaient être mises en place dans le programme d'Emmanuel Macron. Ben, on attend toujours. Mmh. En tant qu'aide-soignante, votre salaire, finalement, il est à peu près au niveau de ce que vous pourriez toucher au chômage, Ingrid Levavasseur ? Ben oui, je vais vous décevoir. Il y en a beaucoup qui disent que non. Mais en fait, comme j'étais avant dans la fonction publique, et je gagnais un petit peu plus que dans la fonction privée, enfin dans la clinique privée où je travaille. Ouais. Et du coup, le chômage est au prorata de ce que j'ai gagné avant. Donc, je gagnerais 1189 € en étant au chômage. Et j'en gagne 1250 en étant soignant en clinique. Donc, voilà, sachant qu'en plus, vous devez payer pour la garde des enfants, par exemple. Oui, il y a la garderie, la cantine, les frais de route, puisque j'habite à 25 minutes de mon emploi. Mm-hmm. Donc, effectivement, je gagnerais plus en étant à la maison. Mais ça, encore une fois, c'est parce que j'ai gagné plus avant. Ouais, si j'avais gagné moins, j'aurais moins, évidemment. Et c'est important de le rappeler, parce que je ne veux pas faire d'amalgame, je vais encore me faire huer sur les réseaux sociaux. Oui, pour ma part, mais j'ai déjà interpellé le gouvernement à ce sujet. Ouais. Maintenant, il y avait des choses qui devaient être mises en place, qui ne le sont pas. Et je trouve ça assez dommage. Il y a quand même urgence. Par exemple, quand on démissionne de son poste parce qu'il ne nous convient pas, parce que l'emploi est difficile, parce que tout est compliqué, on nous supprime, en fait, nos droits futurs. Ça doit être remplacé. Enfin, à un moment donné, quand est-ce qu'on doit subir son emploi? Quand est-ce qu'on doit vraiment rester dans quelque chose qui ne nous convient plus? Enfin, je pense qu'il y a des mesures à assouplir assez rapidement. Moi, ça m'intéresse parce que ça fait un moment que cet emploi de chroniqueur. Voilà pourquoi Ingrid Levavasseur poursuit son engagement politique, qui sera un engagement politique local du côté de Louviers, par exemple. Oui, tout à fait. Pour l'instant, oui, c'est ce que je vise. Mais bon, vu tout ce qui s'est passé en 5 mois, il y a encore tellement à faire. Il faut viser plus haut. Oui, voilà, il est présidentiel en 2022. Exactement. Allez, on lance la campagne et les slogans. Ingrid Levavasseur avec nous jusqu'à 18h. Parlons un petit peu de musique. Je pense que Mélanie Bauer est très, très, très enthousiaste. Oui, alors. Trop. Après Elmer Footbeat et El Gato Negro, je me suis dit que vous étiez prêts pour remonter à la source du punk français. Ouais. Vos oreilles se sont habituées à ces sonorités étranges et donc je vous annonce avec joie le retour du groupe ultra alternatif des années 80, mélange d'influences de tout pays, raconteur d'histoire et surtout pionnier du punk en France. Voici donc le grand comeback avec un nouvel album en septembre de Ludwig von 88. Pour vous resituer, en 1987, juste après les manifs du mouvement étudiant contre le projet de Vaquet, marqué par les violences policières et la mort traumatisante de Malik Osekin, les Ludwig sortent Les Trois Petits Quepons, qui n'ont pas peur de Pasqua. Qui a peur du méchant Pasqua? C'est peut-être vous, c'est pas nous. Qui a peur du méchant Pasqua? Tra-la-la-la-la. Il ne nous attrapera pas. Ça. Ouais. C'est leur truc au Ludwig, l'humour, c'est rare chez les punks et ça change tout. Au départ, ils sont deux chanteurs, Karim Berouka et Bruno Garcia. Après la séparation du groupe en 1999, Karim écrit des romans de science-fiction. Il a même reçu un prix en 2016 avec son troisième, Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie. Quant à Bruno Garcia, il parcourt le monde sous l'identité de Sergent Garcia en chantant en espagnol. D'ailleurs, ça a toujours été une influence, les musiques latines chez Ludwig von 88. Para fumar la gancha se necesita un poco de papel y un
je dois vous avouer que quand je suis tombée sur leur nouvelle EP, Disco Pogo Nights, j'ai d'abord souri. La pochette de l'illustrateur de génie, issu de la presse BD des années 80, Ben Ito, est un chef-d'œuvre. Mais en même temps, je me suis demandé ce que ces vieux quepons pouvaient bien nous avoir pondus plus de 40 ans après leur début, à gueuler sur des boîtes à rythme. Eh ben, j'ai pas été déçue. Déjà, ils m'ont fait hurler de rire. Hansel et Gretel, parodie de musiques actuelles avec les fameuses voix trafiquées, vous savez, avec de l'autotune. Ouais. La merde, ils n'ont pas branché l'autotune. La merde, ils n'ont pas branché l'autotune. Oui, la suite de la chanson, c'est ça qui est formidable, c'est qu'ils vont finalement réussir à brancher l'autotune. Hein, c'est... Oh, merci, revoilà l'autotune. Merci, l'autotune c'est la vie. Oh, merci, revoilà l'autotune. Oh, merci, l'autotune c'est la vie. Alors, c'est peut-être parce que je suis une geek de la musique, hein, mais moi, ça m'a donné beaucoup de joie. Les goûts et les couleurs. Tout comme cet hommage au héros du punk, pauvre Jean-Pierre Ramones, qui aimerait bien sniffer de la colle avec ses amis, mais tous ses potes, eh ben, ils sont morts. Depuis, ses potes sont tous à Paris. Jean-Pierre Ramones n'a plus d'amis. Il voudrait sniffer de la colle avec China et Suzy à la rock'n'roll école. Jean-Pierre Ramones, vous sentez cabaret, vous sentez Pixie Pop, vous sentez Crédit Rock. Jean-Pierre Ramones, vous sentez Surfing Bird, vous sentez Stephen Blue, vous sentez Adam. C'est tellement bon. Ce qui fait du bien avec cette reformation des Ludwig, c'est le plaisir de la désobéissance, cette petite voix de sale gosse qui renaît toujours de ses cendres, même à plus de 50 balais, quand la politique nous prive d'espoir. Le punk, c'est avant tout un besoin de défouler face à un monde de valeurs chiffrées absurdes, de réussite sociale qui définit l'humain. Alors, si vous êtes fauché, je vous invite à télécharger gratuitement sur leur site le premier extrait du futur album des Ludwig, prévu en septembre, En avant dans le mur, qui, ma foi, est un bon résumé bien Guillaume Meurissien, hein, de la politique de nos copains d'En Marche. Et puis de le jouer très fort dans vos salons en sautant en l'air, hein, comme des gamins de 7 à 77 ans, en se disant que leur grand cirque, ils peuvent bien y jouer tant qu'ils veulent, mais nous, on n'est pas obligés d'y croire. Sinon, vous pouvez acheter le EP, hein, c'est top. Serions-nous inconscients pour ne pas soutenir tous ces grands présidents si prompts à nous servir? Serions-nous des crétins qui pigent rien à la vie pour oser nous dresser contre l'économie? Tous, tous, en avant dans le mur, en marche pour le grand capital. N'avons-nous point d'éthique pour exiger le SMIC pour un boulot de chien abattu sous la trique, privant nos gras patrons qui galèrent comme des dingues à redresser la nation et l'économie qu'ils flinguent? Tous, tous, en avant dans le mur, en marche pour le gros capital. Serions-nous des malfrats pour partir aux Seychelles avec le RSA qui nous tombe du ciel? Serions-nous des crétins pour payer nos impôts plutôt que d'aller fleurir les paradis fiscaux? Tous, tous, en avant dans le mur, en marche pour le gros capital.
travail nous libère. Il fait de nous des hommes, l'esclavage rend heureux. Il donne sens à la vie, l'avenir nous tend la main. Nous marchons plein d'espoir, petit mouton crédule qu'on mène à l'abattoir. Le travail nous libère, il fait de nous des hommes, l'esclavage rend heureux. Il donne sens à la vie, le travail nous libère. De toute nationalité qui eux savent très bien s'entendre par-delà les frontières, au moins femme. Pour nous exploiter. Mais oui, calmez-vous, Disco Pogo Nights, c'est le EP hein, qui sort là en ce moment, et puis l'album qui sortira en septembre. De Ludwig von 88. 88, ouais, ça c'est évidemment, vous l'avez fait exprès. Mélanie Bauer, merci pour cette chronique. Nous sommes en compagnie d'Ingrid Levavasseur sur France Inter. Ingrid Levavasseur qui a fondé deux associations, Éclosion démocratique, une association politique, et Racine positive, un réseau d'accueil pour familles monoparentales. Ingrid Levavasseur a une destinée politique. Pour l'instant, vous êtes toujours aide-soignante. Et d'ailleurs, vous avez travaillé dans des services d'État. Pour les états végétatifs. EVC, état végétatif chronique. C'est ça, tout d'accord. Ce qui va nous amener à la chronique. Bah moi, c'est chronique transition. De Guillaume voilà. Maurice. C'est végétatif. Bah oui. Voilà, c'est ça. Sujet léger, sujet fastoche aujourd'hui. Je vais vous parler de Vincent Lambert. Hein, donc, pauvre Vincent, on le connaît maintenant, qui ferait passer Bouteflika pour un danseur de claquettes. Vincent, donc, il est hospitalisé depuis 10 ans dans le coma sans espoir de s'en sortir. Donc, le syndrome Parti Socialiste Français, hein, comme on l'appelle également. Il est dans le même état végétatif. Alors, doit-on arrêter les traitements? C'est la polémique qui enfle en ce moment dans l'opinion publique. La justice a d'abord dit non, puis oui, puis non. Elle ressemble un peu à Franck Dubosc devant les Gilets jaunes, hein, finalement, la justice. Alors, comme tout le monde a un avis, et que moi j'adore quand tout le monde a un avis, eh ben, je suis allé voir ce matin le Peuple de France. C'est qui Vincent Lambert? Vincent Lambert, celui qui est dans le coma depuis une dizaine d'années. C'est qui, l'acteur là? Non, l'acteur c'est Christophe Lambert. Ah merde, putain. Oui, alors, il ne s'agit pas de Christophe Lambert. Bah, hein, si, la carrière de Christophe Lambert. C'est très méchant. A été débranché. Ça, on le sait, c'est plus végétatif du tout, c'est au-delà. Non, il s'agit bien, attention, restez concentrés, de Vincent Lambert. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut le garder, hein. C'est interdit de façon de le débrancher. Et c'est ça la polémique, quoi. Peu importe qui il est, je ne sais pas qui c'est ce monsieur, je pensais que c'était l'acteur, moi, pour vous dire. Mais il faut le garder, voilà, il faut le garder. Puis il mourra quand il mourra. Donc vous êtes pour le maintenir en vie, coûte que coûte. Sinon, on fait comme dans Star Wars, on le met sous glace. Ouais, il est quand même pas mal dans un délire cinéma, notre ami. Alors non, attention, on n'est pas dans Star Wars. L'avocat des parents de Vincent Lambert n'est pas Maître Yoda, hein, loin s'en faut. Le gars est plus près d'un Jean-Michel Larqué, puisqu'il a quand même parlé d'une remontada hier suite à la décision du Conseil d'État. C'est pour vous dire que Vincent Lambert est dans le même état que le PSG en Ligue des Champions, hein, également. Allez, on continue avec un autre Français. Moi, je pense que tant qu'il est encore en vie, il reçoit des soins. Je vois pas pourquoi on les arrêterait. Et c'est peut-être incurable, mais il est vivant. Je ne dis pas que ce pauvre Vincent Lambert fera un athlète des Jeux Olympiques. Non. Il y a peu de chance. Alors le sportif dont il est le plus proche pour le moment, c'est Michael Schumacher, quand même, on peut le dire. Mais pour 2024, c'est pas gagné. Mais bon, il faut le laisser mourir de mort naturelle, selon ce monsieur, puisque là, il vit de manière tout à fait naturelle, hein, avec des tuyaux naturels, des seringues naturelles, un personnel hospitalier en burn-out, mais naturel. Il faut donc le maintenir dans cette vie naturelle. Oui. Tant qu'il ne meurt pas. Si vous, on vous maintenait en vie, par exemple, des années comme ça? Moi, j'ai demandé à ce qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique. Ah, vous êtes pour l'acharnement thérapeutique sur Vincent Lambert, mais pas sur vous? Je sais pas, ça, vous savez, c'est plus compliqué. Quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est plus compliqué. Bon, disons que c'est plus facile quand c'est pas nous, quoi. Ouais. Hein, moi, je suis assez pour le coup de pied dans les couilles, mais quand c'est pas les miennes, en fait. Hein. Je suis assez pour la discothèque de Mélanie Bauer, tant que c'est pas mes oreilles, voilà. Et puis, je dirais, c'est facile, en règle générale, quand on a des principes. On ne doit pas toucher à la vie jusqu'au bout. Il faut savoir qu'un être est vivant, il est venu par Dieu et il faut toujours respecter cela. Est-ce que là, il reste en vie par Dieu? Écoutez, Dieu nous a créés et il faut aller jusqu'au bout. Mais là, s'il reste en vie, c'est essentiellement grâce aux médecins, non, plutôt? Oui, mais Dieu est là derrière. Ah, alors attendez, parce que ça, on n'avait pas l'info. Ça change tout, si Dieu est derrière. Si Dieu s'est tapé les 12 ans de médecine avec week-end d'intégration où il a fini avec des œufs dans le slip, là, je dis d'accord, on peut peut-être écouter Docteur Dieu, mais moi, pour l'instant, ce que je vois de Dieu, c'est qu'il a mis sur le chemin de ce malheureux Vincent un accident de bagnole en 2008, même si, selon ce monsieur... Mais il faut attendre, c'est eux qui dirigent. Qui vous dit qu'ils ne reviennent pas entièrement à la vie? Personne ne peut le dire à l'heure actuelle. Les médecins disent que ça ne sera pas le cas. Écoutez, il y a eu des miracles. Allez à Lourdes. Ah,
on n'a pas tenté. On n'a pas tenté le truc. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on se fait chier avec des traitements, alors qu'on pourrait prendre un Ouibus, hein, puis régler le problème une bonne fois pour tous. Voilà, pour toutes. Et puis, même d'autres miracles, on peut faire avec. Moi, je serais Glucksmann. J'aurais installé mon QG à Lourdes directement. Je serais du poignant. Je ferais construire une baraque dans la grotte. Voilà, comme ça, on fait tous les miracles en même temps. Ça, c'est une solution. Allez, terminons toujours avec ce bon vieux Dieu. Il ne faut pas le débrancher, parce que l'âme ne nous appartient pas. On ne peut pas faire quelque chose contre Dieu. Mais est-ce qu'on est sûr que l'âme existe? Elle existe, l'âme, bien sûr. L'âme, elle existe pour chaque personne, elle existe pour l'âme. L'âme, elle existe même pour les animaux, pour les petites bêtes, qu'on est invisibles, qu'on ne les voit pas. C'est vrai? Voilà. Même donc les... vous ne tuez jamais d'animal? On égorge les animaux. Ah, mais vous tuez ce qu'il y a une âme, alors, ça veut dire? Non, on égorge, mais on ne tue pas les animaux. On mais égorge, c'est égorger, tuer. C'est pas tuer? Non, égorger, c'est pas non. Égorger et tuer, ça fait deux. Ah, alors ça, on n'avait pas la formation non plus. On apprend quand même pas mal de trucs, finalement, dans cette chronique, en allant voir les gens. Donc la notion de vie ou de mort est assez sensible, notamment en fonction des pays et des législations. Pardon. Pour éviter des cas aussi dramatiques, il en existe des pays avec plus de dignité et de courage. Mais en France, voilà ce qui se passe quand on a des politiques en état de mort cérébrale. Guillaume Meurice, merci Guillaume. Sur France Inter, en compagnie d'Ingrid Levavasseur, aide-soignante et ex-leader des Gilets jaunes, et engagé en politique et dans les associations. On va poursuivre avec vous, Ingrid, avec ce thème sur les cagnottes en ligne qui nous oblige peut-être à donner par crainte du regard des autres si on n'y participe pas. Elles se montent en un clic, souvent pour d'excellentes raisons. Un anniversaire, un pot de départ, un boxeur qui frappe un flic. Mais parfois, on les reçoit comme une obligation à donner. Quelle est la part d'obligation sociale? Quelle part vient du cœur? C'est quoi ça? Un buzz. Bah oui, ça vient. Ça vient d'où? Ce cadeau de départ. Oh. Ah bah dis donc. C'est vrai que c'est vachement mieux qu'un micro-ondes ou qu'un écran plat. Ils sont pas foutus de ta gueule. Ah bah non, parce que des copains, ça fait quand même 10 ans qu'on se connaît. Ah moi ça. 917 sur 702 mm. 917. On voit que vous avez su créer des affinités. Yolande Moreau et Gérard Depardieu dans Mammouth, le film de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Un article sur les cagnottes qui parle de tyrannie du don, un peu loin, paru dans l'Express. Ingrid Levavasseur, j'imagine que vous avez déjà été sollicitée par des cagnottes en ligne, Litchi et compagnie. Oui, j'ai ça déjà arrive. Été sollicitée. Moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que depuis quelques temps, je vois aussi les cagnottes le jour de notre anniversaire sur les réseaux sociaux. Ça m'interpelle toujours. Je me dis, c'est un peu bizarre. En fait, au lieu de me donner pour mon anniversaire, faites un petit don pour telle ou telle œuvre. Et encore ce matin, j'ai regardé et je dis, oh, c'est surprenant quand même. Voilà, moi, ça me surprend toujours. Il faut toujours donner. Et voilà, je pense qu'un don, à la base, ça part du cœur. Ouais. Voilà, on fait un cadeau parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on apprécie la personne. Oui, il y a un système maintenant où on est obligé de tout. Obligé de donner, donner aussi une petite fleur, payer un café aussi, c'est agréable. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a d'autres partages. Et le don de soi aussi, quand adolescente et encore aujourd'hui, vous vous engagez comme volontaire. Alors, précisez, parce que moi, je ne connais pas très bien toutes les. Les pompiers. Je suis sapeur-pompier volontaire. Ouais. Bon, j'ai fait une petite pause j'ai eu une période de pause, mais j'ai aussi été jeune sapeur-pompier quand j'avais 13 ans. Ouais. De mes 13 ans jusqu'à mes 16 ans, en fait, j'allais manœuvrer les mercredis et les samedis. Et qu'est-ce que vous faisiez concrètement, quand adolescente, on s'engage là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est hyper enrichissant parce qu'on apprend beaucoup de l'autre. Voilà, c'est un métier assez particulier. Moi, j'apprécie en fait aller passer mes mercredis et mes samedis là-bas, c'était un loisir. Et puis en fait. Pompiers, quoi. Ouais, il y avait des beaux pompiers. Voilà. Maintenant, ils sont vieux. Hein. Quand je les vois, je me dis, oulala, j'avais 16 ans, j'avais un autre regard. Hein. C'était un autre calendrier. Non, mais c'était, c'est une belle période de ma vie, j'aime beaucoup. On faisait, on manœuvrait, on roulait des tuyaux à fond. Maintenant, les tuyaux sont roulés parfaitement. Automatique. Mais on manœuvrait, j'ai été jusqu'au championnat de France de 100 hauteurs, par exemple. Ouais, ce qui vous a donné le goût de vous réimpliquer, et aujourd'hui, vous êtes de nouveau engagé auprès des pompiers. Oui, je suis de nouveau. Je l'ai été aussi à Louviers, dans un très grand centre de secours, où on mélangeait les professionnels et les volontaires. Moi, j'aime énormément ce côté-là. On rigole beaucoup, on se marre. C'est vraiment. Il y a un côté très dans l'urgence où on donne beaucoup de sa personne parce que on tombe des fois sur des décès. Il y a des interventions qui sont pas drôles du tout. Et puis en contrepartie, quand on rentre à la caserne, on rigole. Ça crée du lien. Oui, ça crée beaucoup de lien. Ouais. Donc on retient que d'une part, il peut y avoir une sorte d'injonction des cagnottes en ligne et que le don peut être ailleurs aussi. Oui.
mais qu'à vous, il ne faut pas la faire. Quoi. Non, moi, on ne la fait pas. S'il y a une cagnotte... Parce qu'il y a eu des cagnottes qui ont été montées, on l'a dit, pour défendre les frais d'avocat d'un individu qui avait quand même tabassé un CRS. Enfin, alors, à main nue, alors que l'autre était carapacé, mais quand même. Il y a aussi des cagnottes chez les identitaires pour empêcher l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée, de prendre la mer. Donc, il n'y a pas que des mauvaises. Non, il y a des belles cagnottes. Il y a des bonnes cagnottes. Donc, il y a aussi un peu de tout. Le pot de départ d'Alex de C8. Justement, Thomas Croisière, on ne vous entendait plus, vous avez le crachoir, gardez-le. Qu'est-ce que c'est ? Écoutez, 72e Festival de Cannes oblige. C'est avec Quack Quao, l'intrépide palmipède de papier qui pimenta les programmes de Récréa 2, que je déclare ouvert mon premier top 4 des films non palmés, mais avec des palmes dedans. Numéro 4. Roberto, mio palmo. Roberto, mes palmes. En une réplique, Jean Reno devient culte et envoie le grand bleu au firmament du box-office français malgré les sifflets cannois. Né en 1974, on me dit de la génération Giscard, alors que je n'ai pas grand-chose à voir avec cet ancien président gémophile, si ce n'est une calvétie naissante et ma capacité à faire ce bruit. Cher Antoine Decaune, je suis de la génération Grand Bleu. Cette génération qui voulait aller au bout de ses rêves, là où la raison s'achève, qui connut les dauphins de leur vivant, qui acheta en masse le 33 tours d'Éric Serra et qui doit à Rosanna Arquette de nombreux émois adolescents et solitaires à s'en rendre le grand bleu. Oh, c'est con parce qu'elle était bien. Elle était bien. Ouais, elle était bien. Numéro 3. Je suis un peu timide. Perform for you some spectacular and amazing feats of daring in water that is over 6 feet deep. Eh non, ce n'est pas Dark Vador, mais Benjamin Braddock, le lauréat de Mike Nichols, dans la tenue de plongée fièrement exhibée par ses parents lors d'une pool party californienne où l'avenir, c'est le plastique. Le lauréat est le film pop de référence, cité par Tarantino dans Jackie Brown, détourné par Zack Snyder dans Watchmen ou brillamment pastiché dans Wayne's World 2. Je ne connais aucun adolescent qui ne fantasme pas de dire à Anne Bancroft « Mrs. Robinson, you're trying to seduce me ». Ou d'enlever Katharine Ross de son mariage pour se retrouver au fond d'un bus maté par des kidam sans, et c'est terrible, n'avoir plus rien à se dire. La musique de Simon & Garfunkel couvre alors le son de leur silence. Hello darkness, my old friend. Numéro 2. Muitas vezes o coração não consegue compreender. La vie aquatique, film fou de Wes Anderson, ou plus simplement film de Wes Anderson, dans lequel Bill Murray singe le commandant Cousteau tout en bonnet rouge, ce qui doit vous rappeler des souvenirs à vous, la gilet jaune Ingrid Levavasseur. Un Bill Murray obsédé comme Aqab et sa Moby Dick par le requin jaguar qui a mangé son partenaire Esteban Duplantier. Un abîme de déglingue pop hanté par les 60s autour de rêveurs socialement inadaptés, touchant littéralement le fond. Un film beau, oui, comme Bowie ou C'est où George reprend avec grâce le répertoire du Sin White Duke qui déclara « Si Seu Jorge n'avait pas enregistré mes chansons en portugais, je n'aurais jamais entendu ce nouveau niveau de beauté dont il les a imprégnées. » Savez-vous d'ailleurs pourquoi le bateau du film s'appelle le Belafonte ? Le chanteur, peut-être. Le chanteur, car effectivement, en 1956, Harry Belafonte sortit un des plus grands albums pop nommé Calypso. Calypso, comme le navire océographique du commandant Cousteau. C'est dans ces détails que l'on mesure la folie comme le génie de Wes Anderson. Numéro 1. Le thème des aventuriers, musique de François de Roubaix, qui pourtant est de Neuilly, qu'il composa 9 ans avant sa disparition tragique, les palmes aux pieds dans un accident de plongée. Les aventuriers de Robert Enrico, où trois marginaux tentent de rester libres dans une société de plus en plus consumériste, en s'amusant à passer sous l'arc de triomphe en avion, à battre le record du monde de vitesse en dragster, ou à partir à la recherche d'un trésor englouti au large des côtes africaines, avec Serge Reggiani qui prouve encore qu'il n'était pas qu'un grand chanteur. Ce film nous rappelle que les rêves sont faits pour
pour être vécu sans réserve, comme celui de vivre avec la magnifique Johanna Schimkus, qui abandonna 5 ans plus tard sa carrière d'actrice et épousa Sidney Poitier, qui pourtant était de Miami. Ce film et cette information vous sera utile pour piéger vos enfants, se termine au Fort Boyard, à l'époque où on n'y trouvait pas encore des nains, mais des géants, tels Lino Ventura et le plus grand de tous, Alain Delon. Acteur majuscule avec un grand A, comme Alain, et qui incarne toujours, pour Au Sauvage en 4x3 et dans les magazines d'une photo tirée des aventuriers, la perfection au masculin. 52 ans plus tard, Dieu n'a toujours rien créé de plus beau et indomptable. N'en déplaise à Johnny Depp et Robert Pattinson. Cela méritait bien une palme d'or d'honneur pour Alain Delon, dont j'embrasse la carrière de toute ma cinéphilie et à qui je ressemble, bien évidemment, de loin. Cinéma mise au point sur moi. Thomas Croisière, merci de nous donner envie de revisiter les classiques. Et Thomas Croisière, on peut vous apercevoir en ce moment au cinéma dans un rôle très furtif. C'est une question de regard. Votre regard n'est pas le bon. C'est la plus grande 38e minute de l'histoire du cinéma. Car le film est magnifique. Oui. Le film s'appelle Les crevettes pailletées, notamment avec Alban Lenoir ou Nicolas Gobbe. Et on vous le recommande chaudement. Il est toujours au cinéma. Il fait un carton. Vous êtes monté dans le bon wagon, Thomas Croisière. Je suis monté comme... On va s'arrêter là parce que ça... Film est mieux que cette blague. Tout se passe bien. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Cédric Le Gallo et Maxime Govard. Les amis, derrière votre poste, vous êtes en compagnie d'Ingrid Levavasseur. On va vite aborder ce troisième sujet à propos du sentiment de culpabilité quand on refuse de jouer avec son enfant. Est-ce qu'on est un mauvais parent 1 ou un mauvais parent 2 si on les laisse s'amuser tout seuls? Car au cours du XXe siècle, l'injonction à s'amuser avec ses mioches n'a cessé d'augmenter, semble-t-il. Avec le risque qu'en grandissant, vous soyez contraint de passer aux jeux de société. Alors Alexandre, ton nouveau mot, c'est quoi? Bite, nichon, couille. Non, fellation, ça s'écrit pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école, toi? Si, oui, c'est français. Joue pas au con avec moi, s'il te plaît, hein. Tu nous trouves un autre mot, s'il te plaît. Sucre ? Oui, t'as oublié le R. Pierre Palmade, bien sûr. Ingrid Levavasseur, est-ce que vos enfants réclament de temps en temps de pouvoir jouer avec vous ? Vous avez beaucoup d'activités. Je rappelle, vous êtes aide-soignante, sapeur-pompier, vous lancez des associations. Vous trouvez le temps de jouer avec eux ? Est-ce que vous le sentez comme une injonction, une culpabilité ? Bah oui, j'ai pas de mec, alors faut bien que je m'occupe. Je joue avec mes gosses. C'est un annonce qui est très sympa, vraiment. Non, mais c'est pour une petite touche d'humour. Ingrid, Alex, Ingrid. Oui, comme vous les élevez, vous jouez avec eux. Oui, je joue avec eux, mais je m'oblige jamais. Je pars du principe que, en fait, on doit pas être obligé. C'est comme dans la société, on doit pas être obligé de faire les choses. Donc, si j'ai pas envie de jouer avec eux, je joue pas avec eux. Au même titre que quand ils ont pas envie de venir courir avec moi, ils viennent pas courir avec moi. Donc, je pars du principe qu'ils font ce qu'ils veulent, ils s'occupent. Et moi, quand j'ai pas envie, je le fais pas. Mais vous, de temps en temps, vous jouez avec eux. Oui, de temps en temps, bien sûr, il faut jouer avec ses enfants. Alors, moi, je les oblige à jouer avec moi. À quoi vous jouez avec vos enfants, si c'est pas indiscret? Mon fils adore le triomino et ma fille, elle sait plus des jeux. Alors, on chahute. Voilà. Peut-être elle va devenir sapeur-pompier aussi. Ouais, possible. Voilà pour ce sujet que vous pouvez retrouver sur Slate notamment et qui pose une question. Et on s'est dit, tiens, c'est vrai, cette injonction peut-être à devoir jouer, à culpabiliser si on ne joue pas, etc. Tant qu'on en est à jouer, j'espère qu'elle va culpabiliser si elle ne joue pas avec nous, Ingrid Levavasseur. Hein, on vous donne un rôle et pas n'importe lequel. Vous êtes la maman de Marlène Schiappa. Oh, purée. Parce que c'est pas facile chez vous les Schiappa en ce moment. Guillaume Meurice, le papa de Marlène Schiappa, il soutient France Insoumise. Marlène Schiappa, Charlie, bien évidemment, dans un de ses meilleurs rôles, vient rendre visite avec sa fille, moi, chez les parents Schiappa. Il est là, papa. Il t'attend dans le salon, il regarde le débat décisif à la télévision. Allez, Aubry ! Pourquoi il dit ça, papy ? Parce qu'il soutient la France insoumise. Pourquoi il soutient pas maman ? Parce qu'il est de gauche. Mais moi aussi, je suis à gauche, enfin, c'est Emmanuel qui le dit. Trotsky, président ! Ah, vite, les pompiers, je crois que papa fait un AVC. J'avoue que son enthousiasme est quand même curieux. Surtout qu'il est en train de regarder France 2. Et alors, tu regardes pas France 2 dans ta maison ? Bah jamais, on regarde que c'est 8. Maman, elle aime beaucoup le monsieur qui met des nouilles dans les slips. Ah, chacun ses combats. La République, c'est bon. Oh là là, il m'inquiète de plus en plus. Ah, c'est vrai que ça devient gênant. Non mais sérieux, est-ce que le père de Marine Le Pen, il soutient Hamon ? C'est qui Hamon ? C'est le monsieur qui mange des kebabs.
C'est pour le père de Aurore Berger que ça doit pas être facile. Ouais, c'est sûr que s'il veut s'opposer à sa fille, il doit changer souvent de parti. C'est qui Aurore Berger ? C'est la madame qui ressemble à Dora l'exploratrice. Et moi, je vais soutenir Dupont-Aignan. Pardon, mais le droit de vote des femmes a quand même ses limites. Hein. Ah ben, elle est belle, la secrétaire d'État chargée de l'égalité. Mais Dupont-Aignan, c'est hors de question. Pourquoi pas Francis Lalanne, donc on y est ? Parce qu'il chante trop mal. C'est la lutte finale. Apparemment, il n'est pas le seul. Est-ce que le fils de Carla Bruni soutient François Asselineau ? Oui. Bon, ok. Bon, alors écoutez, nous sommes au 21e siècle et les femmes peuvent voter différemment de leur père. Encore heureux. Ouais, mais les pères ne devraient pas être autorisés à voter différemment de leur fille. Je vais me gêner, tiens. Et je vais te dire, ton livre, je l'ai pas lu. Bah, moi non plus, vieux gaucho. Je suis certain que t'écoutes France Inter. Ouais, tu rêves, c'est que des macronistes là-bas. Bon, allez, on s'en va. Très bien. Bah, comme ça, ta mère pourra enfin se concentrer sur la vaisselle. Merci beaucoup. On ne doit pas être bien loin. Ingrid Levavasseur, je rappelle que vous êtes fondatrice des associations Racines Positives, un réseau d'accueil pour familles monoparentales, et Éclosion Démocratique, une association politique. On va suivre ces associations de près et vous suivre dans votre parcours, Ingrid Levavasseur. En attendant, là, vous rentrez en Normandie, reprendre votre travail d'aide-soignante. Oui, entre autres. Entre autres activités. Préparer de 2022, surtout. De jouer avec vos enfants. Levavasseur 2022. En effet, merci les amis, c'est la fin de cette émission. Eh bien, nous allons réserver le mot de la fin à notre invité à propos des élections européennes. Je le dis et je le redis, il faut voter. Jeunes gens, si vous nous entendez, mobilisez-vous. En mai, Arte vous invite au Festival de Cannes avec une programmation cinéma exceptionnelle.